Bonjour Serge Pilisser. Bonjour. Vous êtes président de PPP Agency. Absolument. Organisateur également de Rurality. C'est quoi PPP ? PPP vient de l'anagramme en fait, partenariat public-privé. Le public et le privé cohabitent au bénéfice de sujets sur lesquels ils sont partenaires pour échanger des idées. Donc PPP Agency est une plateforme en fait de communication. Vous êtes président fondateur de Rurality, qui organise cette année son 7e forum. Vous dites que la véritable révolution numérique est déjà passée par les territoires urbains, mais qu'aujourd'hui l'enjeu ce sont les territoires ruraux. Pourquoi ? Écoutez, je crois qu'il faut être lucide. Au-delà des messages politiques, mon sentiment profond, c'est que ceux qui nous gouvernent ont fait totalement abstraction de la création de valeur dans les territoires ruraux pendant des dizaines d'années. Hier, on concentrait tous nos efforts et les gouvernants concentraient tous les efforts politiques sur les territoires urbains, avec un seul argument qu'ils défendaient, c'est que les territoires urbains représentaient 80% de la population. C'est juste une stupidité, même si l'homme est notre principale richesse. Il ne faut pas oublier que les territoires, qu'ils soient ruraux ou autres, c'est-à-dire non urbains, représentent 80% du territoire national. Donc ils ont été pendant effectivement 30 ans, 40 ans, 50 ans, les grands oubliés des révolutions et des innovations numériques. Et donc, je comprends un peu mieux votre propos lorsque vous dites que l'évolution de l'économie s'évalue avec les flux migratoires. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, depuis maintenant 10 ans, on observe ou on évalue qu'il y a une inversion de ces flux migratoires, c'est-à-dire qu'on ne vient plus juste vivre ou revivre dans les zones rurales ou les zones vertes, voilà, juste pour avoir une meilleure hygiène de vie, profiter de la nature, mais on revient maintenant travailler. Donc il y a une inversion de ce sol migratoire, il est positif de 4 à 5% régulièrement maintenant depuis entre 5 et 6 ans. Mais évolution de l'économie, ça signifie que si on y revient travailler, il faut qu'on ait des outils pour pouvoir travailler. Alors, il faut qu'on ait des outils, mais pas que les outils, les infrastructures, ça, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on a tendance systématiquement à verticaliser chaque approche. Il faut avoir une perspective globale de la chose. Quand on réussit à inverser un solde migratoire, il y a un écosystème économique qui se met en place. Et il y a des paramètres dans ce système économique qui s'appellent l'éducation, la santé, l'habitat, le transport. Et il y a des solutions numériques aujourd'hui qui sont une chance pour ces territoires et qui permettent d'homogénéiser une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, des nouveaux services. Et ça permet à ce solde migratoire donc, de se maintenir, donc de créer des emplois et de faire en sorte que ces territoires ruraux soient plus attractifs qu'ils ne l'étaient. Alors justement, pour qu'ils deviennent plus attractifs, est-ce que le très haut débit est une des solutions ? Non, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, moi, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est difficile parce qu'en fait, bien sûr que c'est une nécessité impérieuse de faire le très haut débit, mais en réalité, moi, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fiche. Les technologies changent tous les 6 mois. Pour moi, ce sont des technologies de transition. Que ça soit le haut débit ou le très haut débit, à un moment donné, on passera peut-être dans 2 ans à du très 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 haut débit et ça prendra un autre nom. C'est juste une approche marketing. Aujourd'hui, il est absolument nécessaire pour un territoire, autant soit-il reculé, de communiquer avec le reste du monde. Voilà. Donc le très haut débit permet, bien plus que le haut débit, de permettre à des populations, à des entreprises de se connecter avec le reste du monde. Vous avez organisé le Forum de la ville intelligente. Est-ce que le numérique va jouer un rôle aussi important dans le monde rural futur intelligent ? Autant, pas plus et pas moins. Enfin, une ville intelligente, c'est déjà un terme générique. Ça peut être un village intelligent. La ville urbaine n'est pas plus intelligente que la ville non urbaine, rurbaine ou rurale. Les technologies ne sont pas une fin en soi. C'est un moyen d'améliorer et d'accéder à une qualité de vie ou de service auquel on n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc c'est aujourd'hui une nécessité impérieuse, ubiquitaire et équilibrée pour éviter à ce que la fracture numérique, qui en fait a augmenté avec les nouvelles technologies, elle n'a pas diminué. Donc il faut être très vigilant à ça. Effectivement, je m'interrogeais, est-ce que la fracture numérique s'est accrue, a diminué, s'est réduite Mon sentiment, c'est qu'elle s'est accrue. Et elle risque de s'accroître davantage. Et elle risque de s'accroître davantage si on ne prend pas garde à ce fossé, c'est-à-dire de créer un déséquilibre sur le déséquilibre, et à ne pas privilégier déjà des zones urbaines suffisamment riches pour se payer beaucoup plus naturellement les technologies de l'information. La crise, dites-vous, constitue une formidable opportunité pour repenser l'économie en partant du local et du numérique. Si je vais un peu plus loin que ce que vous écrivez, vive la crise. Écoutez, j'ai envie de dire avec humilité que ce n'est pas moi qui ai inventé la formule, je l'ai transposée. Il y a des gens qui disaient vive la guerre. Voilà, ça n'aura échappé à personne qu'une bonne guerre ou qu'une bonne crise permet aux hommes de
d'être face à leurs responsabilités et ça permet de reconstruire les choses. Alors évidemment, soyons positifs. La crise a une chose de bonne, c'est qu'elle permet aux élus qui nous gouvernent de regarder les erreurs qu'il ne faut plus faire. Donc il faut reconstruire sur des bases solides pour éviter effectivement de subir de plein fouet les crises et de créer des fossés humains et d'opposer les populations. Il n'y a pas de population du bas, de population du haut, des villes ou des populations des campagnes. Il y a une population homogène qui d'ailleurs de plus en plus change de lieu au gré de ses activités et de ce qu'elle a envie de vivre. Les nécessaires mutualisations entre l'ensemble des collectivités territoriales que les lois de décentralisation ont organisées, mais également les positionnements parfois un peu raides entre les acteurs publics et le monde de l'entreprise, le monde des entrepreneurs, vous fait dire que la clé réside aujourd'hui dans une mutualisation et surtout une mise en réseau des énergies. Comment traduire cela ? La mise en réseau des énergies est quelque part notre fil conducteur. C'est-à-dire que, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais quand les gens disent, d'un point de vue marketing, ce sont des effets d'annonce, travaillons ensemble. Moi, je pars du principe qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Ce sont des effets d'annonce, ce sont des postures politiques. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les collectivités, peut-être un peu moins, et derrière, il y a le mot mutualisation. Qu'est-ce qu'on observe ? Qu'un gouvernant, qu'un élu, donc qui gouverne une politique locale ou régionale, voire nationale, veut réinventer systématiquement les choses. Pour se justifier, veut casser ce qui a été fait. Il faut mutualiser. Et pour mutualiser, il faut savoir parler de ses échecs. Il faut pouvoir contourner les choses. Il faut pouvoir faire abstraction d'un certain nombre de postures politiques qui ne sont absolument pas productives et qui nous empêchent d'avancer. Donc oui, la vraie mutualisation est à venir. Elle n'a pas eu lieu. C'est pour ça que je parle de révolution. André Ballet, président de Maceo, a dit lors d'une table ronde qu'il fallait faire de gros efforts de pédagogie en direction des élus, qui devaient d'abord apprendre à écouter et à se former. Est-ce que vous reprendriez à votre compte ces propos ? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière « on » ? Je connais bien André Ballet, Maceo, qui est une structure du Massif central, qui regroupe un certain nombre d'organisations, qui effectivement flèche le numérique comme une disposition importante pour l'économie du Massif central. C'est parfait. Je pense qu'il y a d'abord une responsabilité des organisations qui gèrent les élus. Moi, je crois que l'échec est l'échec de ces organisations, qui n'a pas su développer cette pédagogie et considérer que le message du numérique était essentiel pour faire évoluer les élus et nos élus dans une forme d'innovation intellectuelle. C'est-à-dire que c'est d'abord l'homme et sa mentalité qui doivent évoluer. Ce n'est pas les technologies. Les technologies, encore une fois, ce ne sont pas une fin en soi. Donc, oui, effectivement, on pourrait reprendre la formulation d'André Ballet, mais il faut essayer de la remettre en perspective sur les vraies responsabilités pour que ceux qui nous gouvernent appuient sur leurs organisations professionnelles, territoriales, syndicales, patronales, pour qu'elles-mêmes créent une dynamique pour que les technologies d'information deviennent une priorité. C'est le seul levier de croissance qui existe aujourd'hui. Pour Ruralitique, le thème, c'est « Mettons nos énergies en réseau », bon, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais ne pensez-vous pas que le problème du numérique se pose davantage en termes de culture plutôt qu'en termes de technique, en réseau, en énergie ? Est-ce que vous ne croyez pas que l'homme est au cœur ? Donc est-ce que le problème de la culture numérique n'est-il pas posé ? L'homme est au cœur de fait, mais il faut remettre l'homme au cœur de ces problématiques. Donc il faut remettre l'usage, pas avant ou à la place des infrastructures, mais il faut développer à la fois encore plus une pédagogie sur les usages et une pédagogie sur les nouveaux services liés aux problématiques et aux solutions du numérique. Donc oui, l'homme est la clé. Voilà. Mais l'homme est la clé comme les élus sont la clé, parce que ce sont des hommes. Donc la pédagogie, pardon d'être un petit peu provocateur, ce sont d'abord les élus qui doivent évoluer dans leur mentalité pour considérer que le numérique est autant important, et je vais essayer d'expliquer, autant important que le transport ou la santé. Le numérique est le seul sujet transversal qui représente un levier, voire le seul levier de compétitivité sur l'ensemble des métiers qu'un élu gouverne sur une collectivité ou sur le plan national. Donc à ce titre-là, il doit y avoir une évolution des mentalités d'abord des élus. Merci beaucoup. Merci.